Clap de fin pour les intermittents du Quartz. Après 105 jours d'occupation, ils quittent les lieux. Une de leurs revendications a été satisfaite, la suspension hier par le Conseil d'État de la réforme d'indemnisation du chômage. Un sentiment d'avoir du devoir accompli quelque part. On a été là, on a été dans la lutte, on a fait avancer les choses à notre manière ici au Quartz et sur Brest. Avec la reprise des activités culturelles, la mobilisation s'amenuise, mais leur départ ne signe pas la fin de la contestation. Ce qui est prévu, c'est effectivement de continuer à pousser pendant les festivals. Probablement qu'il y aura des actions à la fois en régional et au niveau national sur le territoire. Et voilà, pour bien faire comprendre que 4 mois, ce n'est pas forcément suffisant pour l'ensemble des intermittents du spectacle et que cette suspension de la réforme de la mise en œuvre de la réforme de l'assurance chômage, ce n'est pas suffisant. Il faut une abrogation totale et définitive. Autre objectif, permettre aux intermittents de faire leurs heures et prolonger l'année blanche. Une association Quartz Occupé devrait voir le jour pour regrouper leur soutien.